Moins 11 degrés aujourd'hui à Montréal, une magnifique température pour nous avec une légère poudreuse qui tombe. Évidemment une température excellente pour nous ici, pas pour vous si vous êtes aux Antilles, mais pour nous c'est chouette. Avec cette habitude que j'ai de toujours aller faire du sport, important pour moi tous les jours, mais d'y aller à pied. Et qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, toujours à pied. Et voilà comment la plupart des gens, si vous regardez bien, font exactement l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des gens font des choix par facilité et non par utilité. Si vous voulez développer votre carrière, vos affaires, votre vie privée, vos relations, votre santé, votre communication avec vos enfants, vos proches, vos parents, vos partenaires, vos collègues de travail, qui que vous soyez, quel que soit le lieu de naissance, d'habitation dans le monde, votre niveau de diplôme, d'intelligence ou degré de réflexion, appliquez ce principe. Si vous appliquez ce principe, tout va changer pour vous. Faites en sorte de faire des choix par utilité et non par facilité. Si vous regardez bien, la plupart des gens que vous admirez, que vous connaissez, qui sont peut-être des modèles pour vous, appliquent c'est certain ces règles-là. De Mère Teresa à Lady Gaga, quels que soient les résultats, toutes ces personnes que vous admirez, vos mentors peut-être, et je vous recommande d'avoir un ou deux mentors, mais pas d'en avoir 10 parce que vous partez de façon éclatée dans plusieurs directions, ça je vous en reparlerai. Il y a trop de valeurs composées, donc prenez une direction qui vous convient la mieux et puis ensuite suivez un mentor ou deux. Mais toutes les personnes que vous admirez ont fait exactement ce que je suis en train de vous dire. Elles ont fait des choix par utilité et non par facilité. Et puis enfin, vous savez, si vous regardez bien ce qui se passe dans votre vie autour de vous pour développer votre carrière, vos affaires, votre vie privée, eh bien si vous faites par exemple aujourd'hui des choix, si vous faites aujourd'hui des choix faciles, il y a fort à parier que vous puissiez vivre dans quelques années une vie difficile. À l'opposé, à l'inverse, si vous faites des choix difficiles aujourd'hui, vous vivrez une vie plus facile. Ça peut paraître très simpliste, mais vous verrez à quel point c'est vrai. Et je le vérifie tous les jours. Je suis marié avec la même femme depuis plus de 18 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais non, on perd la passion au bout d'un an, deux ans, trois ans. » What ? Parce qu'au quotidien, dans mon couple, je fais des choix qui sont des choix, non pas de facilité, mais d'utilité pour embraser et nourrir mon couple. Oh, les adolescents, c'est insupportable, tu vas voir, c'est... Oui, oui. Sauf que tu n'as pas acheté de livres avant d'avoir d'adolescents, tu n'as pas fait de formation, tu t'es pas formé ? Ben non. C'est-à-dire que tu savais que tu allais avoir des adolescents, tu t'es pas formé. Ah non, mais il n'y a pas de formation pour les adolescents. What ? Et voilà comment dans vos affaires, votre carrière, votre vie privée, en permanence, hormis le fait d'être incapable d'anticiper souvent les mouvements économiques, sociaux, politiques, des problèmes de cash flow si vous êtes entrepreneur, de trésorerie. Et comme je viens de vous le dire, la même chose avec ce même principe que vous avez tous les jours avec vos adolescents, c'est exactement la même chose. L'anticipation, c'est un choix utile, mais pas facile. D'anticiper pour les jours difficiles, pour l'hiver, c'est pas facile. Voilà comment tous les jours, si vous faites des choix difficiles, plus inconfortables si vous voulez, eh bien tout va changer dans votre vie, dans vos affaires, dans votre carrière. Retenez dans cette capsule très simple que je veux toujours tourner en mode selfie, la plus authentique possible dans mon quotidien. Sans grandes envolées lyriques. Retenez ceci. Et j'espère que vous y apporterez toute la puissance mentale que vous y avez, votre maturité, votre expérience, et vous comprendrez ce que je veux dire. Faites des choix par utilité, non par facilité. Et deux, et qui va dans le même sens, quand on fait des choix faciles aujourd'hui, on a probablement, il y a de grandes chances qu'on ait une vie difficile plus tard. Faites des choix difficile aujourd'hui pour ensuite avoir une vie facile. Et c'est exactement ce dont on va parler durant le Weekend Spark. C'est un séminaire de 3 jours, c'est le premier séminaire en leadership, en entrepreneurship, dans lequel on va parler santé, affaires, carrière, vie privée, relations. Nous allons avoir des amis et des experts internationaux qui seront à mes côtés durant ce séminaire.
Je tiens toujours à enrichir mes séminaires par des invités, durant 3 jours notamment, dans le domaine de la santé, dans le domaine de... Enfin, vous aurez plein de surprises qui vont arriver. Mais je peux vous dire que ce Weekend Spark, hormis le fait que c'est un lieu de réseautage, de rencontres avec des milliers de personnes issues de plus de 30 pays dans le monde, où vous allez rencontrer des hommes et des femmes comme vous avec les mêmes valeurs et peut-être vous établir des relations pour les 10 prochaines années. Ce Weekend Spark, c'est aussi un moment fort de prise de recul pour vous. Vous êtes toute l'année bombardé par les sollicitations, les urgences des autres. Et si vous saviez à quel point ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent, vous coûte de la santé, vous coûte des émotions, vous coûte de la toxicité relationnelle. La plupart des gens sont prêts à investir très facilement dans, je sais pas moi, 500, 1000, dans des vêtements, dans des appareils électroniques, très facilement, je vous assure. Et dès qu'il s'agit d'acheter un livre, oh, c'est cher. Ne faites pas comme ces gens qui aujourd'hui ont une vie misérable, et désolé d'être rude, qui ont une vie difficile aujourd'hui, et qui jamais n'investiront dans leur tête et dans leurs connaissances pour changer leur situation. Et enfin, dernière leçon de cette vidéo, retenez que vous devez investir dans les connaissances. Pourquoi ? Eh bien parce que la vie va s'occuper de vous rappeler ces grandes lois. Et les grandes lois de la vie, c'est ça. On est à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein. Et on en a pris pour perpète. On en a pris pour perpète. Jusqu'à la fin. Si vous ne retenez pas la leçon de la vie, elle va se représenter. Voilà comment il y a des gens qui ont les mêmes problèmes, mais avec des gens différents. Et n'ont pas retenu ce que j'appelle, et ça c'est très important, la leçon de la vie. Retenez la leçon de la vie. Et l'une des principales leçons que j'ai eu le bonheur d'apprendre très vite, parce que beaucoup de gens me disent « Oh, t'as 4 entreprises, tu vis où tu veux, Montréal, Miami, t'es un privilégié. » Oui, je suis un privilégié, évidemment. « Tu es un chanceux. » Ah, non, là je t'arrête. Privilégié aujourd'hui avec une vie que j'ai méritée, oui, mais pas chanceux. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu le bonheur de très vite de comprendre que je devais investir dans mes connaissances. J'ai investi dans ma tête, ce qui m'a permis d'avoir plus de valeur sur le marché du travail ou dans une vie aussi. Vous comprenez, c'est ça qui est important, c'est que dans ta vie de famille, quand vous regardez bien les dissensions dans les couples, vous entendrez toujours « c'est de la faute d'eux ». Vous entendrez toujours la même rengaine qui sera sous peut-être sous une thématique différente. Elle a évolué, j'ai pas évolué, ou j'ai évolué, elle a pas évolué, ou il ne me comprenait plus, on ne partageait pas les mêmes valeurs. Mais à la base, c'était à toi de filtrer, c'était à toi de voir, c'était à toi de prendre ton temps, d'anticiper. Et souvent, vous pensez que c'est la faute que d'une seule personne ? Mais si vous ne changez pas vous-même, vous allez reproduire exactement le même schéma, la même chose, avec une autre personne. Et en disant, ben, je n'ai pas eu de chance, jusqu'à présent je tombe toujours avec les mêmes personnes, on entend souvent. Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes ? Parce que tu as toujours été toi-même la même personne. Je vous assure que ce Weekend Spark, 3 jours, c'est très complexe pour moi d'en parler, notamment auprès de francophones, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de séminaires en leadership. Mais c'est d'une valeur ajoutée immense. Et si vous voulez parler d'argent, c'est du 1 pour 100 000 que vous allez récolter, croyez-moi. Combien de personnes qui ont vécu Wes me disent « Franck, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 150%, de 120%, de 30% en juste un an. Franck, j'étais au chômage, comme le témoignage de Julien qu'on diffuse en ce moment. » Et puis j'ai réussi à trouver le métier que je voulais dans la radio, animateur, sur Paris. Et puis je suis parvenu à avoir mon appartement. Et puis, mais ce gars, Julien, il était au chômage. C'est-à-dire que c'est le parfait exemple du gars qui a tout compris en se disant « Mais jusqu'à présent, j'ai investi dans tout sauf dans ma tête, dans ma confiance en moi, dans mon estime, dans ma clarté, mes prises de décision. Mais ça me coûte combien, ça ?» Et il était dans cette roue. Dans cette habitude, j'ai pas de chance, c'est la faute des autres, et puis ils partaient dans tous les sens. Et après le programme Spark et le Weekend Spark, ce jeune homme, il a vécu une transformation. Vous l'écoutez, vous regardez ses yeux, c'est incroyable.
Julien, alors, pourquoi tu es là ? Je suis de retour parce que déjà, tu m'as vachement apporté l'an dernier. J'ai été transformé en l'espace de quelques mois et rien que d'y repenser, ça me fait tout bizarre. Un applaudissement. Et grâce à toi, en l'espace d'un an, je suis passé de chômeur à de taf, dans des milieux qui me passionnent, de colocation à mon studio dans Paris. Come Donc merci on Il était au chômage. Et au lieu de mettre son argent dans des bêtises, il a économisé au chômage. Et il est venu, il a transformé sa vie. Et aujourd'hui, il gagne bien sa vie. C'est un parfait exemple et c'est pas un acteur, c'est pas quelqu'un qu'on a payé, vous savez. Alors ça, c'est un exemple d'un jeune Français. Mais vous en avez aussi de par le monde, de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont vécu justement le Weekend Spark. Venez à ce Weekend Spark. C'est fin mars à Montréal, fin avril à Paris. Je ne sais pas comment vous dire plus simplement que ce week-end va changer votre vie. Pas de façon ésotérique ou sectaire. Ouh, Weekend Spark, on va changer. Mais non. Vous allez vraiment modifier vos étapes. Tiens, regarde, il n'est pas heureux, lui. J'adore les King Charles parce qu'ils sont toujours contents, les King Charles. Ah oui. Ah oh, c'est un bon King Charles. Ah oui. Ah oui. Avec son petit manteau. Vous comprenez? Non, pas le King Charles, mais... Venez à ce Weekend Spark, investissez en vous. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous avez une super promotion, profitez-en. Et quand vous serez au Weekend Spark, je vous le garantis, je vous le promets, vous me direz, mais Franck, waouh, tu l'avais répété souvent, dans cette vidéo, j'ai compris l'importance pour moi, what next for me, et je suis venu et waouh, je voulais te remercier. Je vous assure que c'est ce que vous me direz. Et en plus... Juste pour vous préciser, c'est que tu vas à un concert, justement, je te parlais de Lady Gaga tout à l'heure, ou à l'époque de Madonna, qui est un peu plus âgée quand même, hein. Ou quelques seuls chanteurs, je sais pas quels sont les chanteurs qui vous plaisent le plus, mais tu vas à un concert de musique. À l'entracte, tu dis, s'il vous plaît, monsieur, là, ça me plaît pas, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'on va te dire? Bon, on va te dire, désolé. Non, mais tu me rends pas mon argent? Non. Non, parce que t'as déjà bouffé la première partie du concert. Ah bon, tu vas au cinéma, la moitié du film, ça te plaît pas, on te rembourse? Non. Eh bien, nous, ce qu'on fait chez Globe, vous savez qu'on est une entreprise de formation et de coaching ici basée à Montréal et on rayonne dans le monde entier qui a produit plusieurs programmes de coaching audio, séminaires, best-sellers et livres, etc. pour des leaders, des entrepreneurs, développer votre carrière et vos affaires. On est des coachs professionnels. Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est que comme le Weekend Spark dure 3 jours, on se dit, c'est pas à toi de prendre le risque. Donc, tu as jusqu'à la fin de la première journée pour dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Franck m'avait dit que c'était un concert rock, une super organisation, que c'était dans un truc génial, que c'était une grande salle, c'était extraordinaire. C'est dans un petit hôtel Ibis Best Western, on est 40, moi, ça, je veux rembourser. On vous rembourse. Si vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Vous avez jusqu'à la fin de la première journée, vous avez zéro risque. Et tout à gagner pour votre vie. Et je vous le garantis, une nouvelle fois, je ne sais pas comment vous le dire avec passion, mais vous ne pourrez jamais regretter de venir au Weekend Spark. C'est l'événement, le temps fort de votre mois, de votre année, peut-être de votre vie. Jamais on n'oublie le Weekend Spark. Renseignez-vous à droite et à gauche. Trouvez des gens qui ont participé au Weekend Spark. Ils sont des milliers dans le monde. Rapprochez-vous dans Franck Nicolas et la communauté sur notre groupe Facebook. Allez là où vous voulez. Renseignez-vous, contactez des gens, faites vos recherches, faites vos enquêtes. Qui je suis? Qui est Franck Nicolas? À quoi ressemble le Weekend Spark? Moi, mon billet du Weekend Spark, vous, il va vous demander un investissement minuscule. Moi, il me coûte 2 millions de dollars, mon billet du Weekend Spark. Pourquoi? Pourquoi cet argent? Parce que quand vous rentrez dans la salle du Weekend Spark, vous voyez immédiatement où est passé l'argent, votre argent. C'est un temps fort immense. Et c'est donné. Ce que vous allez vivre, c'est donné. Avec des conférenciers internationaux, c'est donné. Sans parler de votre serviteur qui sera avec vous. Et vous savez, nous, le Weekend Spark, il commence pas à 9h et il finit pas à 17h50. Hein? Non. Vous allez en avoir pour votre argent, croyez-moi. Quand on vient pas au Weekend Spark... C'est un, parce qu'on n'a pas compris l'utilité pour sa vie et ce que ça va nous rapporter. Deux, c'est parce qu'on pense ne pas avoir le temps. C'est-à-dire que si vous pensez que vous n'avez pas 3 jours dans l'année juste pour vous, vous ressourcer et arrêter de toujours répondre aux urgences des autres, il y a un problème. Et trois, c'est parce qu'on pense ne pas avoir d'argent. Connerie. Parce que l'argent que vous allez investir dans le Weekend Spark, vous allez le démonter, le bouffer dans d'autres activités.
dans les prochaines heures et dans les 2-3 prochains mois. Et je vous le garantis. Et le Weekend Spark, avec un petit peu d'économie, vous faites un petit boulot, un deuxième petit boulot quelque temps, et vous l'avez votre billet. Investissez dans vos connaissances. Et il me tarde de vous y rencontrer. Ça va être le fun. Ça va être de la poudreuse. Wouhou! C'est un week-end pour mettre en place, une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois inarrêtable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Oui, oui.